Et bonjour à tous, bonjour YouTube, incroyable la suite. Moi je pense que dans cet épisode on va extrêmement bien avancer car j'ai été siège arrière par pirate qui nous indique qu'il faut aller en mode 8 bits au village du début. Donc on va le faire. Moi je pense que l'info chat est sûre. Et je vais pouvoir passer dans le passé après. Ok, putain, mais on en revient toujours là. Ce qui est effrayant, c'est qu'on en revient toujours là. Hein. Cette zone, on la connaît par cœur. Bon, faudrait prendre les sous, faudrait plein de choses. Mais on va essayer d'avancer. Tu reconnais YouTube? Ah non, c'est en... Ouais, non, c'est après. C'est après que je peux changer la temporalité. Hop, merde. Mais ta gueule toi, pardon, en tout cas tout honneur. Où est-ce que je vais pouvoir changer de temporalité là? Pourtant c'est bien ici. Bon après aussi après. Mais ta mère! En fait la difficulté supplémentaire... C'est que avec la map, ben on regarde la map. Ok, donc je suis dans le passé. Parfait. Je vais bien pouvoir remonter. Tout simplement. Ouais, non, j'ai voulu jouer. J'ai voulu faire le show. La map et tout, ça nous rajoute... Mais non, la difficulté de ce passage-là... Ouais, je dis pas tous les mots, hein, c'est pour ça. Ah, par contre, ça, c'est pas bon. Donc, faut que j'arrive là dans le futur. La difficulté avec ce passage-là, du coup, c'est que... Il y a la map en plus. Et que ça nous déconcentre. Est-ce que j'ai été trop... avant-gardiste? Est-ce que j'ai mis une décision comme si c'était une valeur sûre? Est-ce que je suis absolument sûr de moi? Oui, on va pas pouvoir repasser dans le passé. Donc l'info était bonne. Oh, attendez. Vous avez vu? Tu veux ça, je... Un petit truc à faire. Donc on arrive ici dans le futur. On fera ça. Et c'est parti! Oh, motivé comme jamais! Pour avancer dans le jeu de ses mœurs! Ah, j'espère que vous êtes chaud ce soir! Ah non, cet après-midi. Pour le goûter. Putain. Le stream du goûter. Nice. Regardez, un petit quelque chose, je savais bien qu'un petit quelque chose. Ah bon, on l'avait fait en plus, ça. Allez, j'y vais. Je prends la sauvegarde. Ça, c'est juste pour le plaisir, parce que c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus chiant. Et c'est pour beaucoup apprendre de mes erreurs. balles, nice. Hop là. Le retour au début du jeu. Oui, bonjour, c'est vous cliquez. Oh non, pas encore, on a essayé. On a presque réussi à faire fonctionner le truc. Mais échec. Pourtant on y a cru. On y a cru toi et moi. Une idylle sans retour. Ah bah à un moment ça s'est affiché. Sur fond blanc on l'a vu hein.
mon papy. Comment ta quête se déroule-t-elle? Oh, j'ai découvert un endroit étrange, une caverne tellement sombre que j'y suis comme un aveugle. Ah, le messager a besoin du pouvoir de la vision infaillible. Ah, la vision infaillible, une technique que l'on enseigne que rarement aux élèves aussi jeunes que toi. À moins qu'ils ne développent suffisamment leur potentiel spirituel, évidemment. Et comment est-ce que je pourrais faire ça? Une bonne tasse de thé astral bien chaud. Hélas, notre réserve de feuilles astrales est épuisée depuis quelques années déjà. Il ne nous reste plus qu'une seule graine, mais la faire germer puis pousser prendrait des années. Des siècles. Donnez-moi la graine, je vais voir ce que je peux faire. Oh, j'espérais que tu dirais ça. Il ne reste plus qu'à trouver un parterre de fleurs, puis attendre quelques siècles. Ah, c'est pas les deux zigotos là, les deux ogres, qui parlaient de ça? Ou pas du tout? Ouais, ouais, siège arrière à mort. faut qu'on y a... Ouais, les petits ninjas. Siège arrière à mort, n'hésitez pas. Oh, regardez, il y a un truc tout à gauche là-bas. Je vais aller voir. Oui, c'est les ogres. Ah, bah nice. Même pas besoin de siège arrière. J'aime beaucoup cette expression de siège arrière. C'est juste au-dessus là. Ah, c'est là. Ah, pourquoi il s'est pas accroché? Easy? Non. Si. Yes. Oh, vous avez trouvé un seau! Nice! C'est tout? C'est tout. A priori, avec ça à faire. Sans quoi on serait bloqué si on venait. Est-ce qu'il y a un intérêt après à aller à droite? On va voir vite fait. Hein. Je crois que tu peux revenir, ça se vite. Ok. Alors. Ah, ma musique préférée. Alors, les ogres. Ah, mais merde, putain, je... Alors attends, les ogres, ils étaient où? Ils étaient sur le plateau torride? Non. C'était où? Non, ils étaient pas dans la grotte. Si, oui, c'est ça, plateau torride, ouais. Le plateau Woden. Ils étaient sur le plateau Woden, voilà. Très bien, merci. Petite lagounette, hein. Est-ce que ça va être un prank? Tout est possible. Il y a un truc à... Alors, est-ce que j'ai pas un raccourci? Oh, au lieu de me taper tout. C'est ça le plateau torride ou pas? On va vite voir. Plateau torride. Et là, il me suffit de mon... De...
vers le monde champignon, vers le... Voilà, monde champignon. Attends, je peux aller à droite. Non, ça je peux pas encore. Du coup, ça serait là où ça pétille. Ça brille et ça pétille et ça m'emmène au bon endroit, peut-être. Tout en haut, tout simplement. Mais en haut, c'est pas le... C'est pas les pics glacés ? Ah, du... Bah justement, quand il y aura Woden. Oh, il y a un truc. Oh, petit réflexe. Ah oui, il y a le boss avant le changement de stage. Putain. Oh, vous savez, je suis fatigué. Hein. Bon, il y a un truc là-bas. Mais putain, pourquoi il s'accroche pas bien? Il a un problème d'accroche. Son kunai est défaillant. Bon, quitte à être là. Ah, reprends-le. Attends, j'essaie de trouver un spot peinard. Ah, j'ai plus de shuriken. Écoutez, on va faire le passage tranquillou. Oh non. Ça a l'air dégueulasse. Ah non, je peux pas encore. Ah si, faut vraiment sauter. Oh non, jamais. Jamais de la vie. Oh putain, ça a pas fonctionné. Mais putain, mais je me fais bolosse dans tous les sens. Ok. C'est bon, je peux... Voilà. Je peux faire mon histoire. Ok, c'est bon. Ouais, c'est surtout le fait que tu dois tout remonter si tu foires, hein, qui m'a dissuadé de tenter quoi que ce soit. Vous avez reçu le charnon de force. Ouais, vas-y, la mauvaise nouvelle. Oui, ça va faire un sable. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien qu'il faut que je sois dans le passé. Oh, oui, oui. Mais il y avait un truc à récupérer. Mais je sais pas si ça avait un impact, mais... Je sais pas si prendre de... Ouais, enfin bon, je sais pas. Récupérer le... Je sais pas s'il fallait le... Comment ça s'appelle le... La bouffe, là. Enfin, je leur ai récupéré leurs fleurs qu'ils attendaient. Et ils sont morts comme des cons parce qu'ils attendaient cette fleur.
Donc en allant avec le passé, avec déjà la fleur, je sais pas si... Je me suis dit que c'était mieux. Mais bon, bref, on verra. Je trouve que c'était pas forcément... utile. Excusez-moi. À quoi de neuf, petit gars? Je devrais utiliser un coin de votre parterre de fleurs, j'ai une graine à planter. Oh, j'ai rien contre. Et toi, Cole? Aucun problème. Alors fais comme chez toi, petit gars. Ok. Ok. Hé, le petit gars de retour. Et quoi de neuf? Oh, j'ai votre chardon de force. Hein? Oh, il bluffe pas, Cole. Oh, je vois ça, Aos. Perds pas de temps à nous raconter comment t'as fait, petit gars. Jette-la dans le ragoût. Ah, tu penses à ce que je pense? Pardon. Ah ouais, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de la bouffe. Waouh. On dirait moi qui boit mon feed. Oh là là, incroyable. Regarde, moi je fais pareil avec les pieds. Je bois du feed avec les pieds. Oh, j'ai le ventre plein. Ah, moi aussi. Alors tu vois que ça marchait? Moi j'y faut essayer. Bouge surtout pas, petit gars. Mais non. Ça sera après pour aller récupérer le bâton. Merci pour tout, allez, bientôt. Le bâton, pardon, je pense. Quoi? Ah oui, mais vous m'emmerdez. Ah oui, mais en même temps... En même temps, ça m'intéresse. Je sauvegarde pas. Comme ça, si je meurs, je retourne là-bas. Alors, je sais pas, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que ça m'emmerde ou est-ce que ça m'emmerde pas? J'ai comme un doute. Oh putain, attendez, je me gratte le nez. Ah, c'est ouf. Putain, je sais pas. Bon, quel est l'intérêt d'avoir ça? Ah, c'est vrai qu'ils ont 2 PV, eux. Mais lâche ton mur! Coincé dans un mur! Ça sert à rien d'être ici. Ils sont de l'autre côté. Putain, mais... Putain, mais bâtard d'oiseau de tes morts, va te faire mettre! Est-ce que putain, est-ce que c'était utile ou pas? On sait pas. Bon, bah, je reviens dans le futur. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Voilà, la rédac qu'on adore. Mais non, mais je veux pas, je veux certainement pas changer de temporalité. Voyons. Est-ce que vous pourriez vous respecter? Merci. Quel écran, du coup, là où il m'a envoyé? Putain, mais je vais me faire ken. Ah, merci pour la vie. Super. Ok, bah on fera encore un aller-retour. On n'est plus à ça près. Vous savez, c'est notre dada, les allers-retours, on adore ça. Putain, mais eux là, putain de vautour. Charognard, c'est mort. Hop. Vous avez reçu les feuilles de thé astral. Parfait.
Le doyen ninja devrait savoir quoi en faire. Donc du coup, il faut que je revienne dans le passé pour qu'il me renvoie là-bas. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir save. 20 000 oiseaux de tes morts à la Reda qu'on adore. Ah. Ok. Voilà le speedrun hein. On y croit à mort. Allez, merci de vous envoyer. Quoi? Ah ouais, la démonstration de votre nouvelle force. Allez-y. Le problème c'est que j'oublie tout. Ok, cette fois-ci j'ai la save donc je ne m'inquiète pas. On est sous quand même 545, on va pouvoir faire un petit achat bientôt. Ah ouais, il a tout esquivé, bravo! Ça tient du génie d'esquiver autant de choses, mais c'était pas prévu. Vénère, il esquive tout. Ah, tu veux dire que bon, bah, je peux revenir. Ah, je peux revenir. Pas vraiment, non. J'espère. Oh bon, je pensais que j'avais le temps, pas du tout. Mais... Je sais pas. Yes! Ta-da-da-da-da-da, la note de musique! Pardon. Merci à tous. Clou! Ah, vous avez reçu la clef de la force. Création spontanée couronnant les fabuleux exploits athlétiques de Cole et Os. L'une des clefs nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Merci. Nous avons réussi. Cool. Cool. Amélioré. Charge de ki plus 1, les shurikens transpercent 2 cibles. Une meilleure hygiène de vie vous donne plus d'énergie pour le combattre. Ok. Et la fléau démoniaque, attaque plus puissante. Ouais, je sais pas. Et marque l'emplacement de tous les sauts. Ouais. J'ai pris les trucs qui m'intéressaient le plus. Alors, faut que je retourne voir l'hôte. Il manque juste un raccourci. Non, deux. Ok. Il faut que j'y aille dans le passé. Encore cet endroit, mais cette fois-ci, c'est pour quelque chose. C'est pour vous rappeler que c'était moi qui jouais, hein. À un moment, vous auriez pu douter sur quel stream vous étiez. Putain, quel enfer de parler mal. Voilà, ça, voilà, parler mal, ça. Ce trou, c'est ton plus gros ennemi. Et donc, du coup, c'est pour vous rappeler que c'est moi qui joue au jeu. Mais putain, mais qu'est-ce que. Je crois savoir ce qui se passe.
Plus de doute, c'est bien toi. Voilà, merci. Mais qu'est-ce qui... Voilà. C'est pas, on sait pas ce qui s'est passé. C'est bon, on a compris. Non, c'est pour être sûr de pas faire le cosplay de Lola Bunny. C'est pour être vraiment sûr. Putain, mais cet endroit là. Bon, normalement, après, on revient plus là. Moi, je prends un peu de thunes au passage. Après, je suppose qu'il faut aller chercher le bâton dans les pics glacés. Oh bah je peux... C'est vrai qu'il rebondit, j'ai oublié que ça rebondit ça. Ah putain mais je sais jamais. Je sais jamais si c'est ça ou pas. Y'a pas une connerie de... Oui si, y'a un truc obligatoire. Pas ça? Si c'est ça. Et voilà. Mémoire sur 20. Peu. 258 balles, nice. On va dire qu'au moins ça rapporte des thunes. Tout est cassé, tout est cassé. Bon alors. On espère que c'est fini. Hein. Les allers-retours ici. Bienvenue, jeune aventurier. Un mes respects, doyen, voici les feuilles de thé. Un exploit tout à fait extraordinaire. Tu maîtrises donc les méandres du temps. Ah, goûtez à nouveau au thé astral. Tu as offert à un vieil homme une joie qu'il n'espérait plus, merci. Et que la bonne fortune t'accompagne, brave messager. Oui? Vous avez parlé d'utiliser le thé pour développer mon potentiel spirituel et m'enseigner le pouvoir de la vision infaillible. Ah oui, le pouvoir de la vision infaillible. Ah, mes excuses. À mon âge, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Voici une bougie pour toi. Putain, mais quel enfer. En d'autres mots, une simple bougie. Le foutage de gueule. Le foutage de gueule, j'espère que vous aimez. Le foutage de gueule. Fort bien. Le thé aux herbes, le fameux. Hein. La petite tisane. Alors, du coup, de choix sauf Thanos. Soit on va explorer soit on va explorer avec notre bougie, ou alors on va chercher le sceptre de l'autocar là-haut. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, c'est vrai qu'il est one hit KO.
Est-ce qu'on peut acheter un petit truc avec 320 balles? Je trouve pas cliquer. Oh putain. Ça fait un moment que j'ai arrêté de penser, bravo. Attendez, on va mettre la note. Et on va choper notre second indice. Troisième indice. Troisième, pardon. Ah, c'est beau. Oui, 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 la malédiction sera rompue, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Il nous faut encore 4 notes. Oui. L'indice. Où le soleil brille et l'humeur est douce, une petite créature est paralysée par la peur. Où le soleil brille et l'humeur est douce, une petite créature est paralysée par la peur. C'est encore au plateau torride. Non. Plateau torride. Bon, j'irais bien au plateau torride quand même, aller chercher le sceptre. On a juste à monter, on avait dit. Le plateau torride. Quel enfer. Bon, il faut y aller dans le futur, peut-être, peut-être pas. Super. Oh, bâtard! Oh! Bravo! On peut passer par là. Fun fact. Ah mais moi j'ai rien compris au TP. Hein. Le problème c'est ça, c'est que j'ai rien compris au TP. C'est pour m'entraîner. C'est pour devenir meilleur au jeu. Incroyable. Ah je crois que c'est une bonne idée hein. Je pense que j'ai pris une bonne décision en allant ici. Je vois pas ce que je pourrais regretter. Je vois vraiment pas. Je vois pas ce que je pourrais regretter. Je vois pas. Je vois pas parce qu'en fait, je vais retourner tout en bas. Non, ça va. Le grappin! Ah, le grappin! J'ai un grappin, il faut y penser. Moi, je prends les sous quand même. Ah, il y a peut-être un truc là-bas. Enfin, il y a peut-être un truc. Il y a un truc là-bas. Petit damage boost. Je sais pas, hein, je sais pas comment je fais. Honnêtement, je sais pas. C'est ça qui est beau finalement. Le grappin est bon. Le grappin. Encore le grappin. Oui, le grappin, oui. Il joue au grappin. Oh là là. Il n'a plus peur de rien. Une petite sauvegarde, oui. Bon, maintenant on va se calmer. Est-ce qu'elle met 2 secondes? Le dragon. Qu'est-ce qu'il est devenu dans le futur, le dragon? Il y a qu'un endroit que j'ai pas exploré? Juste là au nord? Oh là là!
Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire moi. Le problème c'est que ça l'a fait repop. Ouais ouais mais c'est... le jeu est trop facile avec le grappin. C'est pour les noobs. Le vrai... les vrais joueurs jouent sans grappin. Oh putain merde, je me suis relevé trop vite. J'ai la tête qui tourne, je me suis levé trop vite. Alors par contre si je pouvais avoir... Les petits... Oh putain mais... Je bout de la part et j'entends grappe. Putain ouais mais du coup je fais n'importe quoi. Mais non mais, ça m'énerve ça. Ça m'énerve de changer l'écran, merde. Mais ça... J'aime pas trop le pass... J'aime pas le changement d'écran là. Est-ce que quelqu'un pourrait rajouter un mur? Les développeurs, s'il vous plaît, maintenant, tout de suite. Un mur en plus pour ce passage. Ça serait vraiment optimal. Parce que là, on sent qu'il y a... Voilà, on sent un peu de fainéantise de la part des développeurs. On sent que... Voilà, ils ont... Voilà, il y a eu fainéantise. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? À quel moment? Mais arrête! Putain, comme si sa boule... sa boule de fiente était passée entre les différents âges. Qui va croire ça? Qui va croire qu'il a lancé un truc dans le passé qui finit au même endroit dans le futur? Je n'y crois pas. Est-ce que vous y croyez? Je n'y crois pas. Personne ne va croire à ça. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ce gars. Mais non, mais il faut que j'aille en haut. Mais il faut que je sois dans le passé. Dans le passé, du présent, du futur. C'est pour un saut en plus. Garantie. Tiens. Oh! L'esquive. Ok. Ah. Il est pas là le sceptre? Ah, j'ai loupé. Ah mais bâtard, j'ai loupé deux fois. Et voilà. C'est bon, c'est pas se fait. Merde, je me suis trouvé de bouton. Ah. Et là, je peux changer de temporalité. Allô, allô, allô. Non mais... Ah. Pénible, hein. C'est pénible. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que vous avez décidé d'arrêter? Pourquoi je joue à ce jeu? Mais non! Non, 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 mais moi, j'étais en train de passer la porte, c'est pas possible. Dans la vie, il y a des choses... si on passe le pas de la porte, faut arrêter de se faire agresser. On peut même plus rentrer chez soi tranquille. Hop, il faut tout recommencer. Ouais, ouais, ouais. On a adoré à la rédac. Mais ta mère!
Voilà. Oh, je prends les sous quand même. Enfin non, c'est pas lui. Quasi. Ah oui, si. Bien fait de prendre les sous, bravo. Ah oui, doucement, 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 doucement. Allez, 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 allez. Faut que ça glisse. Alice, faut que ça glisse. Speedrun. On y croit. Moi, franchement, en multisegment de, de 2 secondes, je pense que speedrun, je suis très fort. Mais putain, mais ta gueule! Oh, ce passage de mort! Je déteste cet endroit! C'est décidé, c'est mon endroit préféré du jeu. Oh! Oh, ça fait du bien de gueuler un peu. Hein. Moi, je vous avoue que... J'ai pas assez gueulé ces derniers temps. J'étais trop brimé, là, ces derniers temps. Faut pas faire de bruit, tout ça. Oui, voilà. Je me sens mieux. On n'ira plus pour les vacances, hein. Et toi, va te faire manger, t'es mort. Speedrun. Pas du tout. J'étais trop chaud du speedrun et voilà. Voilà. Bim. Allez, va te faire mettre. En tout bien tout honneur, évidemment, toujours. Mais allez, Alice, faut que ça glisse. Voilà. Alice, doucement, Alice. Ok, good. Bon, là, par contre, on aime pas. La rédac, on n'aime pas. La rédac, on n'aime pas. Et allez tous vous faire mettre. Mais quel pompoul. Mais quel ignominie. Quelle ignominie. Mais quelle ignominie, cet endroit. Je déteste cet endroit. Je vous garantis que je déteste cet endroit. Une étoile sur TripAdvisor. Tiens. Tiens, mange pour les autres. Tiens. Hop, cadeau. Oh, l'esquive était belle. Belle, 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 belle esquive. Voilà, ça qu'on veut voir. Le beau jeu. Alice, doucement. Ah. Oui. Attendez, il me faut des forces pour ce qui arrive. Ouais, tout ça. Allez, c'est parti. Déjà, il me casse les couilles avec ces trucs. Tiens, déjà, va te faire mettre. De 1. Casse les couilles. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Mais je reste appuyé. Merde. Je déteste ce passage chez définitif. Pardon. Honnêtement... On comprend aussi pourquoi c'est énervant. Ah oh ouais, mais là, j'en ai marre. C'est parce que j'en ai marre. Et regardez, je ne peux plus, je ne peux plus. J'ai tout donné, moi, j'ai tout donné. Et on me demande encore de l'argent. Je les ai pas, monsieur les impôts. J'habite même plus cette... J'habite même plus cet appartement depuis 2 ans. Pourquoi vous me demandez une taxe d'habitation? Qu'est-ce que... Pourquoi? Voilà, c'est fini, là. Là, je suis fini. Là, je suis fini, je suis mort. J'ai tout donné. Mais t'as... Oui, mais... Fatigué? Ouais, moi, vous savez, je suis fatigué. Allez. Attention. Re. Ah. De la vie, de la vie. Oh. Ouais, on était parti sur un mauvais... voilà, on était parti sur un... sur un mauvais try, ça pouvait pas.
Nous qui aimons tant le speedrun. Pourquoi je tape pas dedans? Mais oui, il a raison, pirate, hein. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Le pire, c'est de se dire que pirate a raison. Ok. Bon. Eh non, si je me fais rire aussi. Ah, ah, ah. Le speedrun. Mais non, mais... Comme ça. Hop là. T'as toujours tapé dans les boules. Quand on arrive à pirater, t'as raison, c'est bien aussi. Ah bah voilà, là il me donne mon 4 heures. Ah mais j'ai plus de... Mais qu'est-ce que... Mais puis je tape sur l'épée avec mon épée sur le bouton. Mais j'ai entendu un pic. Faut que je monte. À droite, ça sert à rien. Ah oui, je me souviens de ce passage. Mais j'appuie vers le bas, j'appuie sur tous les boutons à la fois. Je vous jure, j'appuie sur tous les boutons, c'est peut-être ça le problème. Ah mais là j'ai peur de tout. Mais oui, le grappin, merde. Ah, je m'énerve à être aussi con, hein. Et moi le grappin, vous savez, j'ai appris à jouer au grappin il y a 20 minutes, c'est pour ça le... Mais je te dis grappin! Mais il est où? Oh là là! Sauvegarde! Ah oui! Quoi que tu reprends la manette? Bravo, pirate. Oh, moi on rigole, hein. Bon, j'en fais des caisses comme d'habitude. J'en fais des caisses pour que ça soit drôle, mais moi ça me fait marrer. Hein, quoi? Ah, c'est parce qu'il faut passer de l'autre côté, ok. Ça m'amuse, j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Ok. Bon, on se marre bien. C'est ça qui compte. Ah, ça a l'air relou, là. Vous savez, ça a l'air relou, c'est fait pour nous. Ah, mais ça a pas cassé la... Première boule de feu. Oh, bon, alors là, lenteur des pieds. Mais j'appuie sur... C'est bon. Nice. Ah ouais, j'étais pas sûr qu'il s'accroche. J'ai eu un moment de flip. Ouais, bon bah, c'est pas grave.
Ok, alors. Pas du tout, ça sert à rien. Oh mais... Il a eu un réflexe cet homme, mais trois balles. Hein. Yes. Bon, il est où mon sceptre d'autocar? C'est pas comme Mario, je peux pas leur sortir sur la tête. Allez, allez, saute plus haut, merci. On y est presque là. On y est presque. Je le sais, je le sens. C'est là. Non. Facile ce niveau. Yes, c'est là. Oh, c'est toi le bâton de Ruxtin. Waouh. Il t'a fallu tout. Je fais ce que je peux, moi, c'est bon. Ça y est, Odin. Putain, le jeu est vraiment un enculé. J'ai mis un peu de temps à gravir cette montagne, mais je suis fatigué. Ça y est, l'enfer. Il t'a fallu tout ce temps pour venir jusqu'ici. Oui. 500 ans. Oui, bah, n'exagérons rien. 45 minutes peut-être, mais bon. Bon. Monsieur se balade tranquillement pendant que je suis frigorifié ici. Mais... Je te laisse ici, le messager aura besoin de toi dans le futur, voilà ce qu'il m'avait dit l'autre. Un quart d'heure plus tard, j'étais gelé et j'en avais déjà marre. Ah, si j'avais su que tu allais mettre des siècles à venir. Oh, je... Bon, en fait, j'aurais pas pu faire grand chose. Comment c'était supposé m'aider? Non, parce que y a pas question que j'utilise la nécromancie, moi. Franchement, je sais pas exactement, hein. Ruxtin était obsédé par cette histoire de robe bleue. Il a dit un truc du genre que la tour qui servait à aller dans les nuages ne serait plus là. Donc apparemment, ma contribution épique, après des siècles à me geler ici, c'est de te téléporter de haut en bas quand tu le demandes. Tu veux dire jusqu'aux ruines célestes? Ah oui, c'est vrai que ça m'aiderait. Et tu peux m'y emmener tout de suite? Tu crois vraiment que je serais resté là à me transformer en glaçon si je pouvais me téléporter? Il n'y a que toi qui peux activer ma magie. Pour ça, il te faut l'amulette de Ruxtin. C'est bon, t'es caté. Je sens le pouvoir. Tu as forcément l'amulette. Je peux te téléporter. Ah ouais, ok. Ah, je le prends pas sur moi? Ça marchait! Je bouge pas d'ici au cas où tu auras besoin de me dire toi, ok. Oh, la vue est géniale! Ruxtin, on va pas pu me laisser ici plutôt. Incroyable! Ça fait combien de temps? Oh, ça fait combien de temps? J'ai lancé à 11h. Non, 16h16. 16h. Putain, 16h11. Il est quelle heure? Il est quelle heure, s'il vous plaît? Je crois que c'est la fin de la VOD. Je peux faire ça. Ah ouais, ouais. Oh putain, mais comment... Merci beaucoup. Comment j'ai le compas dans l'œil du temps. J'ai le compas dans l'œil du temps, c'est incroyable. Des bisous YouTube. J'espère que cette allée sur la montagne enneigée a été incroyable. Je sais pas ce que je voulais dire finalement. Mais en tout cas, c'est un bon moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Et je sens que maintenant... Je suis prêt pour le speedrun avec le grappin. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Des bisous YouTube. À très bientôt pour de nouvelles aventures.